sont de toute beauté. Regardez-moi ça, ces magnifiques petits poissons clowns, ce poisson néon, ce poisson non-œil, cette bouteille d'eau minérale. Eh bien, bonjour et bienvenue à toi, cher ami de Bob l'éponge, des fonds marins, des poissons, des écailles. Toi qui as envie d'emballer une sirène, eh bien, sache que t'es au mauvais endroit. Eh ouais, pas de sirène ici. Uniquement des poissons qui n'ont qu'une envie, te bouffer. Ou alors, toi qui as envie de les bouffer. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour la suite de notre aventure sur Subnautica. On était passé à travers le portail, on a fait 2-3 petites bricoles assez rigolotes. Et figurez-vous que j'ai eu une mise à jour tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, on va aller voir ce que c'est. Et suite à la mise à jour, ma sauvegarde n'a pas été enregistré. Du coup, tout ce que j'ai fait dans l'épisode précédent n'a pas été enregistré, mais bon, à part le fait qu'on a traversé le portail et qu'on s'est perdu, qu'on était sur l'île, etc., etc., c'était pas grave. J'ai dû me recrafter cette armoire, j'ai dû faire 2-3 bricoles, mais par contre, regardez, ils ont tout chamboulé au niveau des... Regardez, au niveau des icônes. Oh, c'est tellement plus chouette. Enfin, plus chouette. C'est différent, ça a été retravaillé, c'est plus propre. Ils m'ont mis mes paramètres graphiques par défaut, je sais pourquoi ils ont dû tripatouiller quelque chose, parce que l'eau, elle est pas propre, hein, vous voyez, donc ils ont dû tout tripatouiller. Hein, pourquoi il y a un truc là? Il devrait plus être là, lui. Si? Non, ça reste? Ouais, non, j'ai une connerie. Bref, enfin, voilà, tout ça, ils ont tout modifié, mais bon, on va y garder comme ça pour cette aventure-là aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Les amis, dans cette aventure, j'ai 2-3 petites bricoles à faire. Déjà, dans un premier temps, on va se crafter. J'ai farmé un tout petit peu, quelques minutes, pour pouvoir nous crafter le découpeur laser. C'est parti, les amis. On va être équipé de ce fameux découpeur laser. Et surtout, j'ai crafté de manière à pouvoir fabriquer notre Simoff, les amis. Si je trouve... Je te vois, oui, tu ne peux pas m'échapper. Oh non. Voilà, on va donc se fabriquer notre Simoff. Ah, il me faudrait aussi la baie à véhicule mobile, ouais, ça serait pas mal. Alors, véhicule, ok, le Simoff, on a tout ce qu'il faut, je me suis arrangé pour. Souvenez-vous que la nage est bonne pour vos muscles fessiers et vos niveaux d'endorphines. C'est énorme. Voilà. Notre Simoff, qu'on renommera du coup quand on aura la baie à véhicule mobile, ainsi que le panneau de machin, le panneau de contrôle. Hop, on rentre à la gueule du Simoff. Ah, il était temps qu'on récupère le Simoff quand même, parce que ça faisait depuis la saison dernière qu'on ne l'avait pas. Ça m'a quand même manqué. Alors on a le Simoff, on a également le cutter laser, du coup je me suis dit on pourrait peut-être aller dans le... Merde, comment ça? On pourrait aller faire un tour du côté merde, comment il s'appelle le gros vaisseau, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Alors attendez, on va récupérer, je vais prendre une pile, je vais prendre 2 piles, je vais prendre 3 piles, j'ai à bouffer, nourriture plus 17, ok, de l'eau j'ai pas grand chose, je vais poser mon bordel. Qu'est-ce que je vais prendre? Il me semble que j'ai l'extincteur quelque part, je sais pas si je l'ai encore. Le cuivre, je vais le laisser. Par contre, je vais ramasser. Bien là, mon petit pochon. Là. Voilà, hop, et tu vas me remplir, tu vas me faire des bouteilles d'eau. Voilà, hop. Voilà, on a 2 bouteilles de flotte. Et on va bouffer des fruits avant de partir. J'ai vu des poissons passer à travers ma carlingue. Hein. Ah, il y a un nouveau signal qui a apparu. Oh, bah attendez, ça va peut-être modifier notre ordre de mission, les amis. Voilà. Allez, mange des fruits. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le phénomène blood machin. On peut plus tomber malade avec les fruits. Il me semble. Par contre, j'en bouffe en pagaille, là. Ok, allez, ça fera le taf. Alors, voyons voir un peu ce nouveau signal, les amis. Où est-il? Alors, c'est un message automatique de détresse du lifepod, du truc de survie 12, coordonnées attachées. Faites attention, lifepod has sunk beyond safe diving assistance. Do not attend. Ah voilà, n'essayez pas de venir nous voir sans équipement sous-marin. C'était le 12. Et bah, il est où ce 12? Alors, le 12. Attendez, voilà, là, tac, capsule de survie. Ah merde, bah, c'est lequel? Capsule de survie 13, 3, 4, 12. 250 mètres sous la surface. Attendez, on va enlever tous les autres. Capsule de survie, je vais le laisser. Le Simo, je vais le laisser. Alors, on va garder que le 12. Où il est le 12? Où il est le 12? Il est là. Et bah, vous savez quoi, les amis? Voilà, on va modifier un peu nos objectifs et on y va, tranquille. Logiquement, qu'est-ce que j'ai sur moi?
J'ai un petit peu de quoi manger, j'ai des batteries, j'ai un peu de flotte. On peut y aller, allez tranquillement, puis du coup on va se faire un petit test. Ah, pardon, pardon, avec notre Simoff. Je peux descendre la quête. Ah oui, ils ont tout modifié, vous avez vu aussi au niveau des icônes en bas à droite. Ouais, c'est beaucoup plus propre. Hein. On peut descendre à 200 mètres, ça c'est standard, classique. On va essayer de pas l'exploser tout de suite, pas le premier jour. T'excite pas, ben. T'excite pas! Voilà, et en fait, je voulais absolument faire le cutter laser parce que voilà, il y a des épaves là et je me souvenais plus trop où elles étaient en fait. Hein. Et il y a beaucoup d'épaves où je peux pas rentrer puisque voilà, il faut un cutter laser. Et il y a certainement des trucs à scanner quoi, hein. Et je suis carrément à la recherche de trucs à scanner. Ah, ça va quand même beaucoup plus vite avec le Simoff. Il y a vraiment pas photo. Alors, j'espère juste que l'autonomie de mes piles, ça va tenir un peu. On est déjà à 98%. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est de toute beauté. Ah non mais... Non mais de toute beauté. C'est quoi ce bruit? Et c'est quoi ça? Quelle est donc cette chose? Merde, je cherche comment ça fait. Ah bah voilà, capacité en oxygène réduite. Ah d'accord, c'est pour fourrer du cuivre, ok. D'accord, ok, je le saurai. Ok, ah mais c'est à quelle profondeur cette histoire? 250 mètres. Ah oui, je pourrais pas descendre à 250 mètres par contre avec le Simoff. On va descendre au max, on va descendre à 200 mètres. Ah bah là, attends. Ah ouais, non, je pourrais jamais... Je pense pas pouvoir descendre, les amis. On va essayer quand même, mais j'ai un gros doute. Ah bah attends, déjà, on va se mettre directement déjà... où est-ce qu'il est? Oh putain, mais tu viens d'où? Voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle il a déboulé, lui? Eh, ça va pas, non? On va se mettre à la verticale. Voilà. On va rester 190 mètres, ça me paraît très très bien. C'est formidable. 187 mètres. 186 mètres, 185 mètres, 184 mètres. Oh, attention! Doucement. Alors, on doit être à peu près. Ouais, je le vois, je le vois. Oh putain, il y a des saloperies là. Ah, il y a une grotte juste à côté avec tous les machins que j'aime pas. Ok, on va sortir ici. Détection d'une activité volcanique et de plusieurs signatures électromagnétiques inhabituelles pour la région. Ah, c'est quoi? Faites preuve de prudence lors de plongées en eau profonde. Ouais, mais grave. Alors eux, je les aime pas du tout là. Comment ça se fait qu'ils ont des petits points jaunes? Ah, mais il est parti. Allez, non, c'est pas 4, c'est 4. Ok, on y va. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est récupérer le matos. Ah ouais, regardez, il y a un volcan qui entre en éruption, les amis. C'est quoi ça? Ah non, non, il est en train de m'hypnotiser le bazar. Ok. Canon à répulsion. Ok. Un PDA. Ok. Faut que je puisse sortir. Où est mon truc? Voilà, tous ces poissons machins. Allez, vas-y, roule. Ne fais confiance à personne. Voilà, moi j'ai envie de dire franchement tellement facile. Vous avez vu ce requin des profondeurs là, ce machin que je déteste? Il a des points verts sur lui, jaune, vert. C'est rigolo ça, j'avais jamais remarqué. Du coup, il m'a semblé avoir vu quand même quelque chose par là, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous pensez également qu'on peut descendre dans ce... Oh, je sais pas, est-ce qu'on peut y aller dans ce cratère là? On va se faire une... Un petit test, allez, vas-y, j'ai pas en batterie. 90%. Ouais, non, on peut pas y aller clairement. Ok, donc je voulais voir, c'était ça et ça. Donc, ça, c'est des gros cailloux qu'on peut casser avec le robot, certainement. Ouais, c'est ça. Oh, putain, je crame. Quel con, mais quel con. Ok, où est mon vaisseau? Enfin, mon vaisseau, vous avez compris. Ok, non, ouais, je pense qu'on a pris tout ce qu'il y avait à prendre ici. Oh, comme il est garé, mais regardez-moi ça comme je suis garé. Ok, bien joué l'ami. Bien joué. Ok, alors on remonte tranquillou. On a ramassé ce qu'on devait ramasser. Du coup, c'est quoi le fragment qu'on a ramassé? Je sais même plus. C'était quoi? Le canon à répulsion. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Bon, j'ai envie de dire. Facile pour des gars comme nous.
Ah, il y a le thermomètre. Avant le thermomètre, je crois qu'il fallait le crafter. Il était peut-être pas de base. Alors, on va trouver. On va continuer sur notre idée première. Bah, tiens, on va direct dans la bonne direction. On va essayer de s'approcher. J'espère qu'il n'y a pas de Léviathan qui se balade dans le coin. Putain, bah déjà je l'entends. Bah, donc c'est ça. Oh non, mais là c'est. Pourquoi je vais pas. C'est clairement. Il y a de la puissance, notre jet ski là. C'est clairement une mauvaise idée de toute façon d'aller ici à ce moment. Ah, j'ai pas pris l'extincteur, je pourrais certainement pas passer. Je crois. Attendez voir, c'est où faut passer déjà, dans le premier ou le deuxième? Merde, c'est le deuxième. Non, c'est par ici. Non, c'est pas par là. Oh, putain, regardez-moi ça, l'eau, ils ont modifié. Oh là là, il y a des éclairages. Oh là là, ce machin, il sort de là, qui me débecte, qui va me bouffer comme une cacahuète. Alors, où sommes-nous, les amis? Oh putain, mais c'est impossible de rester en surface. Hein. Je peux y aller. C'est vraiment le bordel. Je me souviens plus du tout. Vraiment plus du tout, c'est ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. C'est l'Aurora, je sais même plus comment il s'appelle. Oui, c'est l'Aurora, je crois. Ok, restant, je n'ai pas vu de Léviathan. Au pire, si le Léviathan essaie de me bouffer, je peux faire une sortie comme ça, tel le dauphin. Voilà, et hop là, je saute dans le cerceau et bam. Oh, le jeu, et c'est comme. Allez, je sais pas si je vous l'ai dit qu'il était beau, hein, mais il est beau. Ok, c'est par là. Bien, on va donc se faire une petite sortie peinard ici. On va pas trop s'approcher. Il y a des crabes. Okay, alors on y va. De toute façon, les crabes, vas-y, viens, ils peuvent sauter, mais. Ok, on va peut-être pas s'amuser à les dégommer. On va juste essayer d'aller voir si on peut progresser. Un kit de soins, ça va être utile de toute façon. Je peine à marcher là. Et je sais absolument plus. Je sais pas s'ils ont pas rajouté des trucs ici en fait. Bonjour les crabes, bonjour. Ok, te dérange pas pour moi. Je me demande si on. Ça là, et je me demande vraiment s'ils ont pas modifié. Bonjour monsieur le crabe. Bonjour, bonjour les petits amis. Oh, il y en a partout les crabes. Par contre, ils ont enlevé des caisses. Hein. Les caisses, il y en avait vraiment partout. Vous voyez, là, je peux passer là ici. Indique la présence de tissus humains dans les systèmes digestifs des formes de vie à proximité. Mais c'est génial! C'est-à-dire qu'ils ont bouffé mes copains, quoi. Ah oui, mais même eux, ils ont des taches vertes. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu tous customisé. Hein. Non, c'est pas là, du coup. C'est par là. Ça a pas trop changé. Oh putain, mais alors par contre, j'avais vu le nombre de crabes qu'il y a, mais c'est un truc de dingue. Du coup, il me faut de toute façon quand même l'extincteur. Hein. Et l'extincteur, ouais. Ah bah, il y en a alors. Bon, il n'y a qu'à demander, hein. Tu veux un extincteur? Bah, je t'en donne un. Hein. Alors, extincteur, tac. On va le mettre où? On va le mettre en 1, hein, parce que pour l'instant je m'en fous du reste. Hein. Là je peux passer. Alors on a quoi ici? On a donc la baie à cargaison 3 de l'administration. Les systèmes de l'Aurora fonctionnent sur l'alimentation de secours. Impossible de télécharger les données de la boîte noire à distance. Ah, déjà, tiens, un PDA à un moment donné. Drone ingénieur de l'Aurora. Ah, c'est quoi ça? On a bien fait de venir, les amis. Drone ingénieur de l'Aurora. Non? Où est-ce que j'ai vu ça? C'est où ça? Drone ingénieur de l'Aurora. J'en sais rien, faudra que je fouille. Données téléchargées, voilà. Code et indice. Alien, ça je sais pas ce que c'est. Origine de la transmission, ingénieur. Survivant de l'Aurora. Il y a
Il y a tellement de lectures en fait que je n'ai pas du tout commencé. Du coup, c'est vraiment le bordel. Alors, on a l'administration ici. On va aller faire un petit tour par l'administration. Puisque, voilà, tout simplement, moi je suis très administration, très papier. Ah non, non, non. L'idée n'est pas de brûler. Voilà. Est-ce que le feu reste éteint ? Je te prends direct. Je prends le PDA. J'ai un truc à scanner, je sais pas ce que c'est, mais on va scanner. Voilà, une chaise de commandement. Bah, c'est ça qui manquait. Ah, franchement, dans mon habitat, c'est la chaise de commandement qui manquait. Téléchargement des données. La poubelle. La poubelle, on l'a pas déjà scannée, la poubelle ? On peut peut-être pas la prendre ici. Ok, je crois que c'est tout ici. On va vite sortir avant que le feu revienne. Et on va... je crois que j'ai rien oublié, mais je suis pas sûr. On va aller du côté... Putain, du côté de la baie cargaison. Ah ouais, c'est là, il me faut le canon à propulsion. Je peux pas passer sans le canon à propulsion. Ah bah si, je suis passé. Oh putain, je suis passé comme une loutre. je sais pas si c'était vraiment prévu qu'on puisse passer comme ça. Mais bon, en même temps, je suis un immense sportif. Ah, il faut le code. Putain, le code, je l'ai trouvé. Normalement, on le trouve. Mais je sais plus où. Où est-ce qu'on le trouve ? Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. C'était 00 quelque chose, mais je l'ai pas. Attends, attends, il doit être quelque part. Alors, rien. Code de la baie à cargaison, 1454. Voilà, attends, mon petit. Oh, c'est de toute beauté. Ok, on arrive dans la baie à cargaison, les amis. Ah, attention, il y a des petits problèmes de. Les petits problèmes de chauffage, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bureau. Ok, ça sert à rien, que dalle. Très bien. Regardez-moi ça, il y a des fenouilles, il y a tout ce qu'on veut. Oh, la petite lumière. Tu veux la petite lumière? Allez, allez, je te la scanne. Voilà. Oh là là, mais là, c'est un supermarché du scan, les amis. C'est dommage qu'on puisse pas se scanner le Fenwick, ça serait tellement utile sur notre petite planète. On pourrait la terraformer, se faire un complexe hôtelier. Parce que la planète est quand même assez sympathique, à part le fait que tous les animaux ont envie de nous bouffer. Alors, ici, je sais pas s'il y a une interaction, quelque chose d'intéressant à aller voir. Avec mes palmes. Apparemment non. Okay. Il y a une caisse ici avec un PDA encore. Comment ça elle est vide? Comment ça elle est vide? Vous foutez de ma... Ah, il y en a une autre là-bas. Vous vous foutez de ma gueule, les gars. Une brique? Un bloc de nutriments. Ça, c'est malin. Parce que de la bouffe, c'est vrai que j'avais pas le mot. Ok, ici, on va donc être mouillé. D'accord. Alors, par contre, là, c'est là, je me souviens plus. Alors, on a donc la baie Asimov et la salle des machines. Attendez, on va se mettre là. Voilà, ici. Parce que ici, on peut donc... Qu'est-ce qu'il y a dans cette truc ? La bouffe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose plus bas ici? Je me souviens vraiment plus. Ah, j'ai vu un truc à scanner, non? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose ici plus bas? En fait, non. Ok, donc on va pouvoir continuer notre progression par là. Oh putain, il m'a fait peur ce coup. Dégage! Connerie, bah, putain, il m'a fait flipper en plus! J'ai sursauté là, j'ai pas rebranché de webcam encore, mais il m'a fait. Oh non, il est vivant! Il a fait des bébés! C'est quoi ces conneries? Faut les buter! Parce qu'ils vont venir me sucer la moelle. Ok, on retourne donc par ici, on continue. Je sais plus ce que je disais juste avant qu'il m'ait foutu les chocottes, c'est con là.
Ok, il y a une porte à découper là-bas, et ici... Regardez-moi ça, ce salaud. J'en ai vu un autre. Non? J'ai l'impression que dès que j'en... En fait, je peux pas les tuer. Voilà, ça vous apprendra, bande de losers. Eh ouais, c'est qu'est-ce que tu dis de ça, mon vieux? Alors, câble endommagé, utilisez l'outil de réparation. Oh merde, j'ai pas l'outil de réparation. J'ai que le découpeur laser. Je savais que j'en avais oublié un bout. Et là-bas, qu'est-ce qu'il me faut? Bah là-bas, c'est le découpeur laser. Donc ça va être bon. Ici, on a quoi? La baie à Prawn. Ah ouais, c'est ça, les coups. Oh là 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 là. Donc là, il me faut... où est-ce qu'il est? Tac. Découpeur laser. Je pense qu'on va pouvoir le mettre là. Porte scellée. Voilà, hop. Allez, vas-y, fais-nous un joli petit trou. Un truc, alors s'il te plaît, je voudrais un cercle isocèle, hein, s'il te plaît. Applique-toi. Parce que les cercles isocèles, c'est bien connu, c'est les meilleurs. C'est pas les plus faciles à faire, hein. Oh, il va y avoir... Oh là là. Oh, mais c'est génial. Alors, ici, on a quoi? Encore des trous. Oh là là, mais cette lecture. Integrating new PDA data. Ok. Ici, est-ce que je peux récupérer un peu d'oxygène? Très bien. Très très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, une trousse de secours, pour l'instant, je vais la laisser là. Une batterie, ça par contre on va pas la laisser, on va leur en faire cadeau, faut pas déconner non plus. Une autre batterie, ça c'est quoi? De l'eau désinfectée. attends, ça. Alors ça je vais la boire direct. Voilà. Voilà, les poissons je pense que c'est foutu. Je peux les dégager je pense. Ah, je crois que j'ai posé malheureusement voilà, mon pain de machin. D'ailleurs, je vais en bouffer un, comme ça on sera tranquille. Plus 75, non, on va attendre un peu. Ok, alors ici, il y a quelque chose d'autre ou pas? Non, là, c'est bon. On a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. On va continuer là. Ok, on est prêt à la... Ah ouais, mais là, il va falloir l'outil de réparation. Je crois que c'est ça. Ouais. Merde, j'étais convaincu que j'avais pas besoin de l'outil de réparation. Je pensais qu'il fallait uniquement le découpeur laser. Là. J'en ai deux découpeurs laser. Vous foutez de moi. Ah non, c'est le même, je suis con. Bon, donc il va me falloir l'outil de réparation pour pouvoir aller plus loin de ce côté. Au moins pour aller voir la baie à Prawn. On va aller voir de l'autre côté du coup. Donc de ce côté-là en face, il faut aussi l'outil de réparation. Et par là, par contre, j'en ai aucune idée. Ici, ça va vers la salle des machines. Ah, la salle des machines? Bah oui, là aussi, il faut le... C'est pour ça qu'il y a autant de batteries. Ici aussi, en fait, il faut... Il faut également le truc pour réparer. Ce qui est logique, en fait. Et oui, pour réparer, du coup... Non, c'est pas ça. Ça. J'ai l'impression d'être Sam le pompier. Ah ouais, il y a beaucoup de batteries parce que effectivement on a besoin ici de... Ah bah il y a encore un extincteur en plus, ça tombe bien. On a besoin en fait d'un max de batteries pour pouvoir réparer tout ça. Et effectivement ici, donc on peut aller récupérer, on peut aller réparer les réacteurs qui sont complètement esquintés. Et on éliminera je pense la radiation. Local radiation. Et voilà, donc là on a récupéré un module qui va nous permettre. C'est quoi, je peux scanner? Non, je crois que ça allait la réparer. Je dis, ouais, chouette, on va pouvoir la réparer. Non, on peut pas la réparer. Du coup, c'est dommage, hein, puisque je n'ai pas l'outil pour réparer. En même temps, il y a plein de choses hein, à faire avec cet outil de réparation. Alors, je me souviens ici, les amis. Alors là, il y a très longtemps. Donc, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. On va le voir, je vais vous le dire. Je vais le voir tout de suite. Alors déjà l'eau était beaucoup plus trouble ici, donc ils l'ont vachement éclairci, j'ai l'impression. Et il y avait aussi, et il y avait un passage. Et ben c'est peut-être là. Et en fait ce passage,
Ah, il est obstrué, regardez-moi ça. Et en fait, ce passage mène sur le côté de la coque de l'Aurora. Et grâce à ce... En fait, ça fait un raccourci. Mais ça, c'était dans peut-être bien la première saison. Est-ce que je peux... Non, je peux rien faire avec ça. Ah, et ça, c'est... et donc ils l'ont bouché. Bon, ben, c'était assez chouette. Et quand j'étais passé, je me souviens, il y avait, je voyais la queue du Léviathan qui était au bout du tunnel. Et c'était, voilà, ça, au début, je croyais que c'était la niche du Léviathan. Bon, après, j'ai découvert qu'il y en avait en fait partout des Léviathans. Il n'y en avait pas, il n'était pas unique. Ok, bon, on a fait quand même. On a fait le taf, les amis. On a été partout où il fallait. Donc, il faut que j'aille crafter, du coup, l'outil de réparation. Ah ouais, on peut pas y aller là-bas. Ils ont vraiment bouché. C'est dingue. Il faut l'outil de réparation qui nous permettra, du coup, de réparer les réacteurs. Du coup, ça devrait faire tomber la radiation. Regardez-moi ça, cette salopard. Je vais foutre un coup de cutter. Et il nous faut également l'outil de réparation pour pouvoir accéder à la salle, à la baie prône. Et également à une autre pièce qui, je sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est quoi cette autre pièce? On a donc là... Ben... Non, merde, c'est où? Salle des machines, la baie à 6 meufs. Ah, c'est là. Ouais, ben voilà, ben, ici, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, les amis. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Par contre, comment je sors de là? Parce que je peux plus remonter, là, tu sais. Mais si, tu peux remonter, arrête. Ah, là, là, là. Bon, et bien voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de... d'épisode de Sub... Quoi ça? De Subnautica, fragment de moteur de Cyclope. Et ben voilà, ça c'est intéressant. Yes, je suis pas sûr que le Cyclope on puisse encore le débloquer. Hein. Véhicule mobile, ok. Cyclope, ouais, ingrédient inconnu. On a le moteur déjà. Module d'amélioration, on l'a. Ah, est-ce qu'il me faudrait. Ah, bah la chambre d'immersion, on l'a. Ah, je savais pas que je l'avais. On va pouvoir se faire la chambre d'immersion. On va pouvoir. Ah, j'aimerais bien aussi me faire la salle de scanner. Ah là 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 là, trop de choses à faire, trop de choses à faire, les amis. Donc, les amis, on s'arrête là, comme je vous l'ai dit, pour ce nouvel épisode de Subnautica. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser avis, astuces, conseils. Ah, mais ils ont mis de la bouffe. Ils sont tellement mignons. Le service à table est excellent. Comme d'habitude, avis, astuces, conseils. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben voilà. Et puis, c'est tout. J'ai rien oublié. Hein. Donc là, il faut que je ressorte, il faut que je me balade. On a scanné quand même pas mal de bricoles non plus. On va pouvoir agrémenter un petit peu notre base. Notre base, je pense que... Ah, oh, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas. Allez, on va sortir de là tranquillement. Et puis on va se dire au revoir les amis. Ah, est-ce que je vais pouvoir repasser? Ça se trouve, je pourrais même pas repasser. Mais si, mais c'est un ninja, mon bonhomme, là. Ah là 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 là, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est quoi, là-bas? Administration. Ah oui, dans l'administration, on y avait été. Ok, donc c'est tout. Allez les amis, je vous dis donc à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Ah, j'ai plus de piles. Tout fout le camp, mais bon. Allez, salut tout le monde.